Les étudiants d'Epitech sont des passionnés d'informatique qui ont une imagination et une création assez débordantes et qui leur permet justement d'être très réactifs et d'être toujours au point des dernières technologies. On leur apprend à être communicants aussi, donc c'est pour ça qu'on a des étudiants sur les salons, alors que ce soit les salons des étudiants ou des expos qui leur permettent de montrer justement leurs projets auprès du grand public. On a une pédagogie qui est complètement par projet, donc ça veut dire qu'on donne un objectif aux étudiants et on essaye de faire en sorte qu'ils aient toutes les cartes en main pour le réussir. Donc ça veut dire contrôler toutes les variables de l'environnement autour d'eux. En fait, une fois qu'il y a ça, du coup, c'est surtout la motivation et l'investissement qui va faire en sorte qu'un étudiant va bien réussir à apprendre et comprendre. Actuellement, nos étudiants sont sur le Métromix. Donc c'est un marathon créatif de 3 jours et c'est sur les enjeux de la mobilité. Et notamment, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le in-out, où sont réunis professionnels et citoyens pour parler des mobilités. Et nos étudiants seront présents à travers la présentation de leurs projets, mais également des coding clubs. Ouais, je passe dans les salles pour voir s'ils travaillent, s'ils avancent bien. On organise un hackathon avec plusieurs écoles rennaises, notamment Sciences Po, et également l'École nationale supérieure de chimie, en partenariat avec également l'Université de Rennes 1 et de Rennes 2. Et c'est un hackathon pour les étudiants internationaux, le programme Erasmus, et également des étudiants d'Epitech, sur Rennes en 2035, et comment l'imaginer.